Naturellement, à côté des tâches cardinales qui sont les nôtres, celles de former les nouvelles et les nouveaux médecins, il est important pour nous de nous intéresser également aux chantiers structurels et structurants. Et ces chantiers, il y a des choses qui ont été déjà réalisées courant 2021. Il y a la formation continue, il y a l'innovation pédagogique à travers la mise en place de la simulation et du tutorat. Et puis, il y a aussi tout ce qui concerne la gouvernance financière et la gouvernance administrative. Puis il y a des chantiers qui ont été conceptionnés, mais qui nécessitent un certain nombre d'efforts à fournir dans les mois, dans les années à venir, pour la raison toute simple que ce sont des chantiers qui nécessitent du financement à court, à moyen et à long terme. Il s'agit notamment de l'hôpital pédagogique mobile de l'Oriental, qui est une manière pour la faculté de s'exprimer sur le plan responsabilité sociale et responsabilité sociétale. Il y a le projet Handicap qui nous tient à cœur par rapport au fait que, dans un souci d'égalité et d'équité des chances, il est important que notre faculté incarne justement cette équité en mettant en place un projet d'enseignement inclusif pour toute la catégorie des étudiants qui sont aptes à faire des études médicales et qui ne peuvent tout simplement pas le faire pour des raisons tout simplement de handicap. Et ça, c'est quelque chose d'anormal et c'est quelque chose pour laquelle il va falloir trouver une solution. Et il y a bien entendu un chantier qui est structurant également, qui est celui de la filière pharmacie. Et à travers ce chantier, l'idée n'est pas juste de former les pharmaciens d'officine, c'est de former tout ce qui est métier en rapport avec l'industrie pharmaceutique. Et ça fera de notre faculté, de notre université, un levier pour le développement économique local, régional et national. Bonjour, je suis Hajar Bouriz, je suis étudiante en quatrième année. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler un peu de ce que j'ai pensé du centre de simulation. Et pour l'instant, honnêtement, ce que j'ai à dire, c'est que c'est assez intéressant parce que, en tant qu'étudiant, même avec les stages hospitaliers, on n'a pas forcément la chance de toujours pratiquer sur le patient, surtout des gestes assez invasifs comme une sonde urinaire ou parfois même assez simple comme une sonde nasogastrique. Donc, franchement, là, c'est vraiment une bonne manière de pratiquer le geste et d'être un peu plus habitué sans avoir forcément à le faire sur le patient la première fois. Donc, c'est vraiment une bonne initiative. Bonjour, je suis Baldé Abdoulaye, étudiant en quatrième année à la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler du stage de simulation et je trouve que c'est vraiment une super initiative parce que, avec ce stage, ça nous a permis d'apprendre plusieurs gestes que je ne pensais même pas pouvoir apprendre un jour parce qu'à l'hôpital, on n'avait pas l'occasion de pratiquer sur des patients. Et c'est vrai que c'est plutôt dangereux de commencer pour une première fois sur un patient. Donc, je trouve que le stage de simulation, c'est vraiment une super idée et la fac a vraiment eu une bonne initiative, je pense. Alors, on est content aussi de voir notre production scientifique s'améliorer quantitativement et qualitativement, puisque le nombre d'articles publiés sur PubMed durant l'année 2021 a augmenté de 250 à 300% par rapport aux années précédentes. Les chantiers prochains, bien sûr, sont là, et à attaquer très très rapidement l'amélioration qualitative, les brevets d'invention. Il est important de penser pour produire et penser aussi pour créer, que cette création soit faite au nom de la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda. Et il y a aussi des projets qui sont en cours et qu'il va falloir concrétiser très très rapidement. Et puis il y a la Revue marocaine des sciences de la santé, qui est notre organe d'expression scientifique donc de la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda. Et il y a bien sûr les coopérations internationales qui sont un petit peu en stand-by, qu'il va falloir activer très très prochainement. La Revue marocaine des sciences de la santé est une revue marocaine qui est née à la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda et parrainée par l'université Mohamed Ier d'Oujda. Donc, c'est une revue dont l'idée est partie de la faculté d'Oujda, mais c'est une revue qui est marocaine. Son comité scientifique déjà comporte un certain nombre d'experts d'Oujda et d'ailleurs, et même des experts internationaux. C'est une revue trimestrielle qui publiera en français et en anglais
et qui a donc l'ambition d'attirer des scientifiques qui publieront de plusieurs horizons, africains, arabes ou même internationaux. Donc c'est une revue des sciences de la santé, avec tous ses volets, médecine, chirurgie, sciences fondamentales. Sa création, elle aura pour avantage et pour ambition d'inciter les jeunes de la faculté de médecine de pharmacie d'Oujda, internes et résidents, à franchir ce pas de la rédaction scientifique et de la publication. Donc, puisque la FMPO a déjà mis en place une cellule de soutien à la rédaction et la création de cette revue s'inscrit dans la continuité de cette incitation à la publication. Et on aura aussi pour ambition de faire rayonner les sciences de la santé d'Oujda, du Maroc et à l'international, Inch'Allah. Alors, je me présente tout d'abord, Abdelkader Ko, président du comité d'éthique pour la recherche biomédicale d'Oujda. Ce comité a été installé et créé en 2015 à l'Université Mohamed Ier d'Oujda et logé à la faculté de médecine et de pharmacie. Alors, ce comité a été créé pour répondre bien sûr aux chercheurs de l'université, surtout les chercheurs qui travaillent en étroite collaboration avec des patients humains. Donc ce comité, son travail, c'est d'évaluer les projets de recherche de telle sorte qu'elles respectent l'éthique et la déontologie de recherche biomédicale, de telle sorte à préserver la dignité humaine dans son ensemble. Bonjour, je suis Kawsar Jabri, je suis la secrétaire générale du Conseil des étudiants de médecine et de pharmacie d'Oujda, mandat 2021-2022. Juste pour vous présenter, c'est quoi le Conseil des étudiants en médecine de pharmacie d'Oujda? C'est un conseil qui a été fondé en décembre 2010 par Dr Zakaria Idri et Dr Soumia Bachedi, ainsi que d'autres membres, et je tiens à les remercier. Pour l'entrée universitaire 2021-2022, le Conseil des étudiants en médecine de pharmacie d'Oujda a insisté sur un bon accueil des étudiants du premier année. Pour ceci, on a organisé une semaine d'intégration où on a fait des activités d'orientation pédagogique d'une part et d'intégration d'autre part. Bonjour, je m'appelle Abra Kermoud, étudiante en 4e année et secrétaire générale de l'UCMO. Aujourd'hui, on est là à l'occasion des journées portes ouvertes de l'UCMO, qui est une opportunité non seulement pour nous, mais aussi pour les étudiants de la première année, afin de pouvoir intégrer cette grande famille de l'UCMO et aussi à être beaucoup plus motivés pour commencer une nouvelle aventure qui est les études médicales.